Bienvenue dans Maison à vendre. Votre maison est en vente et vous ne trouvez pas d'acheteur? Aujourd'hui, avec mon équipe, je vais vous donner les solutions pour vendre au prix du marché et rapidement. Votre maison, vous l'aimez? Vous y avez vu grandir vos enfants? Vous l'avez peut-être construite? Vous y avez tous vos souvenirs? Mais surtout, elle est à votre goût. Et ce n'est pas forcément celui des autres. Les futurs acheteurs veulent se sentir chez eux tout de suite. Or, chez vous, ce n'est pas chez eux. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier est un casse-tête. Les acheteurs sont de plus en plus exigeants. Les vendeurs se retrouvent avec leurs biens sur les bras pendant des mois, voire des années. Pour réussir votre vente, vous ne devez plus rien négliger. Dans Maison à vendre, Stéphane Plaza et ses architectes d'intérieur vous aident à mettre votre bien en valeur grâce à de nombreuses astuces et à des améliorations peu coûteuses. Dans un contexte où la concurrence fait rage, investir un peu d'argent est le secret pour réussir votre vente. Acheteurs comme vendeurs y trouvent leur compte. À Poissy, dans les Yvelines, Stéphane Plaza va rencontrer Gérard, chineur fou et collectionneur devant l'éternel. Je suis un peu un acheteur compulsif. Ça peut être un tableau, ça peut être un vase. Et je m'aperçois qu'après, il ne me sert à rien dans la maison. Un peu beaucoup. À l'heure de la retraite, Gérard rêve de vendre pour partir s'installer au Portugal, le pays de sa douce Linda. Mais les acheteurs potentiels rechignent à se déplacer pour visiter ce 66 mètres carrés surchargé, ce qui n'étonne pas beaucoup Linda. Le décor, ça donne pas envie d'investir. Ça, je l'ai dit depuis longtemps. Ouais, tu me l'as déjà dit. Désencombrer, moderniser, attirer les acheteurs potentiels, la mission ne sera pas de tout repos pour Stéphane et Sophie Ferjani. C'est par là, Sophie, je te dis. Surtout qu'ils partiront de loin. Je me suis renseigné sur le marché de l'immobilier. Oui, c'est irréel ce que tu demandes. Non. Aujourd'hui à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, Stéphane Plaza va faire la connaissance de Kitty et Christian. Nous sommes un couple mixte, comme vous pouvez voir. Moi, je suis d'origine de l'Inde, elle est d'origine d'Hong Kong. Ça fait un beau mélange, je trouve. Après avoir élevé leur fils au vert, le couple a mis sa maison en vente pour se rapprocher de Paris. La vie parisienne, ça me manque énormément. C'est vraiment par amour pour elle que je change de cadre de vie. Mais en 6 mois de vente, leur maison n'a pas trouvé preneur. Eh ben, j'aurais peut-être pas dû rentrer dans la chambre. Non, mais là, c'est une catastrophe. C'est la pire pièce, hein. Cours de langue. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Château. Bonnes idées. Moi, j'ai une astuce avec une plaque de médium et des aimants. Et tu vas voir le résultat. C'est simple, facile et rapide. Stéphane et Emmanuel Rivassou ne vont pas ménager leurs efforts pour aider Kitty à vivre son rêve citadin. Bienvenue à Poissy, commune des Yvelines, située à 30 km à l'ouest de Paris. La ville possède une longue histoire. Chef-lieu du Pincerais sous les Mérovingiens, elle devient par la suite l'une des plus anciennes cités royales d'Île-de-France, lieu de naissance des rois Louis IX et Philippe III. Aujourd'hui, c'est une ville industrielle marquée depuis le début du XXe siècle par la construction automobile. Les 30 000 Pissiacais profitent du RER A et d'ici 2020, le RER E au milieu de 70 hectares d'espace vert. C'est ici que vit Gérard. À vendre, appartement de 66 mètres carrés, séjour de 15 mètres carrés, une chambre et un bureau. Prix de vente 180 000 euros net vendeur. Gérard, 64 ans, vit à Poissy depuis 13 ans. Il est divorcé.
Ce que ce retraité aime par-dessus tout, c'est chiner chez les brocanteurs aux alentours pour dénicher un nouveau trésor. Ben moi, ce petit tableau, ça m'intéresserait parce que ça rentrerait bien dans mon décor chez moi et, ouais. je le prends. D'accord. Je suis un peu un acheteur compulsif. Ça peut être un tableau, ça peut être un vase. Et je m'aperçois qu'après, il ne me sert à rien dans la maison. Mais il y en a une qui ne comprend pas les achats compulsifs de Gérard. C'est Linda. Ah, bonjour Linda. Salut Gérard. Une pétillante portugaise de 55 ans. Gérard la connaît depuis 15 ans, mais cela fait seulement quelques mois qu'ils sont en couple. Regarde si c'est pas beau. Un beau tableau, t'appelles ça un beau tableau? Mais si, c'est beau, non, regarde. C'est vieux comme toi, Gérard. Mais, ça te plaît pas? Non, pas forcément. Ah si. Aujourd'hui, chacun vit encore chez soi. Pour Linda, hors de question d'habiter dans le musée de Gérard. T'as du boulot, hein? T'as du boulot, faut que je vienne avec toi. T'as du boulot encore. Il faut tout changer. À zéro, hein? Il faut dire que chez Gérard, il y en a partout. Le jeune retraité a parcouru beaucoup de pays et arpenté des centaines de brocantes tout au long de sa vie pour en rapporter la substantifique moelle. J'ai acheté cette tapisserie dans un vide-grenier à Poissy. Cette lampe, c'est un coup de foudre, quoi. Ce clown, je l'ai acheté pour égayer un peu ma décoration. Ces trois tableaux que j'ai ramenés de Bulgarie il y a quelques années. Alors ces petits anges, j'ai trouvé qu'au-dessus de mon lit, ça serait bien comme décoration. Ce Bouddha, je l'ai acheté en Chine. C'est un Bouddha porte-bonheur. Et dès qu'on lui touche le ventre, normalement, on a plein d'argent. Mais moi, depuis que je touche le ventre, je suis à zéro. Je suis à zéro. Donc, je ne le touche plus depuis des mois. Vilain Bouddha. Bon, côté déco, Linda et Gérard ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Heureusement, ils se retrouvent complètement quand il s'agit de parler danse. Toutes les semaines, les deux tourtereaux se rendent à des thés dansants, mais le salon de Gérard peut aussi faire office de piste. Depuis quelque temps, Gérard et Linda ont un projet. Avec Linda, on a décidé de vivre dans le sud du Portugal pour le soleil et pour finir la retraite. Mais pour aller vivre au Portugal, Gérard doit vendre son appartement. Hélas, depuis un an, il compte les visiteurs sur les doigts d'une main. En un an, j'ai eu trois visites. À mon avis, l'appartement ne se vend pas. Je pense, dû à ma décoration, je pense que ça a besoin d'un lifting. Le décor, ça donne pas envie d'investir. Ça, je l'ai dit depuis longtemps. Ouais, tu me l'as déjà dit. On arrive, on n'a pas envie. T'enlèves tout le décor, peut-être que ce sera plus facile de vendre. Gérard a décidé de faire appel à Stéphane Plaza. Pour rien au monde, il n'abandonnerait son projet. L'amour me donne des ailes, Linda. J'arrive. Pose-toi sur la plage, j'arrive. Ce matin, Stéphane arrive à Poissy avec l'intention de débloquer la situation de Gérard. Bah vous m'attendez dehors? Mais oui, on t'attend depuis ce matin. Il est mort lui, hein? C'est ta femme? Oui, je te présente Linda. C'est ta femme? Non, c'est pas ma femme, mais c'est mon amie. Oui, mais vous êtes quand même en couple. Il se passe des Il y a eu des échanges, oui. D'accord, bon, enfin, toujours est-il que je suis pas là pour parler de couple, pardon. Je suis venu pour cet appartement. À quel prix il est cet appartement? À 180 000. 180 000 euros pour toi? Ouais. T'essayes de le vendre depuis combien de temps et pourquoi tu le vends? J'essaye de le vendre depuis un an. Oui. Et c'est pour finir ma retraite dans le sud, au Portugal. T'as eu combien de visites? Trois. Trois visites. Trois visites, il y a un problème de prix. On n'aime pas entendre ça. Non. Ben je sais. Pas du tout. Trois visites seulement, c'est pas normal. Ben ouais. Bon, on va voir l'appartement? On va voir l'appartement. Alors, allez-y, Linda passe devant. L'appartement se situe au premier étage et à peine la porte franchie, Stéphane réalise l'étendue des dégâts. Il découvre une entrée de 4 mètres carrés très encombrée. Mais il y a plus surprenant pour un visiteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tableaux. Pourquoi autant de tableaux? Parce que j'en vois aussi ici. À chaque fois que j'allais dans un pays, je ramenais des tableaux. J'adore les impressionnistes, mais là, comme tu vois, il y a un peu de tout. Il n'y a pas que des impressionnistes. Non, 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 mais... Ou alors tu les caches bien, hein, mais enfin, là, je vois pas de monnaie, là. Ouais.
Pas de Renoir non plus, non? Non, non. Non, en fait, non, toi, tu pars en... Je serais pas ici, sans ça. Oui, c'est ça, en fait. Toi, t'aimes bien les impressionnistes, mais qui sont pas les impressionnistes. Des fois, parce que si j'en ai un vrai, j'aurais eu... qui serait pas là. Avec un, ça m'aurait suffi. Ben oui, t'aurais pu partir en Portugal avec voilà. Un Monet, un Renoir. Ben oui, oui. Je suis okay. Pas là pour acheter un tableau, je suis pas là pour aller okay. Chiner dans une brocante, je suis là pour acheter un appartement, un volume, à un certain prix. Mm-hmm. Donc il faut que je puisse voir ce que j'achète. Toi aussi t'aimes les tableaux? Pas trop. Ah t'es, bah, t'es gâtée là hein. Oui, j'ai même trop gâtée. Et voyons si Linda est aussi vernie dans le salon. Elle est amoureuse, hein? Ah bon? Oh bah, je sais pas, mais... À quoi tu le vois? Bah là, c'est hyper chargé. À ce point-là? Je trouve même pas mes mots, parce que ta décoration n'a ni queue ni tête. Autant de... Stéphane se met dans la peau d'un visiteur qui, en entrant dans ce séjour de 15 mètres carrés, tombe aussi bien sur un paravent venu tout droit d'Asie que sur des figurines d'Afrique du Sud ou encore des objets dénichés dans des vide-greniers. Mais le clou du spectacle... C'est cette pièce. Et ça, ça vient d'où, ça, c'est alors, ça. Ce tonneau, le jour où je me suis marié, j'ai un ami qui était ébéniste, qui nous a fait un tonneau et en barre. Donc toi, tu te sépares et t'emmènes le cadeau de mariage. Linda, les nerfs solides, pardon de... Mais... Oui, bah ça... Moi, j'aurais... Oui. Moi je me marie avec quelqu'un, on me ramène un cadeau de mariage, je le fous par la fenêtre. Hein. Plus c'est moche. Hein. Ton... Ah bon? Tu le vois plus, ton ami, j'espère. Non. Et quel que soit l'endroit où les yeux se posent, la folie du collectionneur continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est peut-être un peu beaucoup. On est chez toi, et on est trop chez toi, avec trop de souvenirs. Et ça, c'est pas possible. Je suis acheteur, soit ça va pas me plaire, parce que le tableau va pas me plaire, soit je vais être fatigué parce que mon œil va accrocher chaque petite chose comme ça. La conclusion, c'est que je vais jamais me rappeler de ton appartement, c'est évident. Direction maintenant la cuisine. Alors, on commence par quoi? Le positif ou le moins positif? Alors, je voudrais que tu commences par le positif, vu ce que j'ai pris dans le salon. Eh ben, ça va après, être... après, tu pourras me tailler, mais ça me ferait plaisir quand même. Oui. Alors, nous, positif. Comment te dire? Elle est lumineuse. Ouais, c'est déjà un point. C'est le seul. C'est pas vrai. Bah. Pensais que t'allais en dire plein. Bah je cherche. Elle est lumineuse. En effet, même si Gérard a refait cette cuisine il y a 13 ans, elle n'est plus du tout au goût du jour avec ses meubles rustiques, son carrelage mural et ses objets d'antan dont il a le secret. Et alors le pompon de ta cuisine, excuse-moi de te le dire, c'est cette lampe. Léon, reviens pour bien voir. Ah bon? C'est la pire lumière. Tu veux que je mette une lampe à bronzer? Non, mais c'est terrible pour nos visages. Tu restes là avec ta femme, tu divorces au bout de 2 minutes. Et chez Gérard, même les toilettes ne sont pas épargnées. T'as été acheter des photos non, de non, tous non, les... Non, on m'a offert un jour un livre où il y avait plein d'acteurs et au lieu de foutre le livre dans un tiroir, et ben, écoute, j'ai découpé les photos et je les ai mis dans les water et ça fait moins triste, non? Ça te plaît pas ce que je t'ai dit là? T'as découpé le super bouquin? Oui. C'est original. Écoute, c'est des acteurs qui ont marqué. Robert Redford. Cary Grant. Hein? Ava Gardner. C'est la plus belle femme du monde. Oh mais moi je suis aux toilettes, j'ai envie d'y rester. Toi. J'ai envie d'y rester des heures. Mais on aurait dû commencer par ça. On aurait dû commencer. Ça met de la joie, ça met de la bonne humeur. Mais t'as eu raison de découper ce livre. Mais oui. On a un point commun, il faut qu'on a les mêmes goûts. J'en ai les mêmes. Ah, dans les toilettes, on a les mêmes goûts. En revanche, dans la salle d'eau, Stéphane redescend vite de son nuage. Là, je suis plus au cinéma, hein. Ah là, non, ça là, change. Là, c'est pas la même ambiance. Avec son carrelage bleu moucheté, son néon et sa paroi de douche, on se croirait davantage à la piscine municipale. Et même si Gérard a ajouté une petite touche versaillaise... On a l'impression que c'est un faux vieux château. Pour Stéphane, c'est sans appel. Il y a deux choses qui peuvent déclencher une vente à coup sûr. Une cuisine et une salle de bain. Quand je la vois là, on n'a pas très envie. Donc là, je valide pas. Ok. Je suis déçu. Suite de la visite avec le bureau de Gérard. Elle mesure combien? Celle-ci, 9 mètres et quelques.
9 mètres carrés. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu mets donc 9 meubles dans 9 mètres carrés. C'est pas possible. Je suis acheteur. Ouais. J'ai 66 mètres carrés. Je veux deux chambres. Je dois montrer une chambre d'enfant, une chambre d'adolescent. Tu montres rien de tout ça. Dernière pièce de l'état des lieux, la chambre de Gérard. On y retrouve sans surprise la patte du propriétaire. Des tableaux en tout genre et des meubles encombrants et datés. C'est votre chambre ? Oui. C'est sa chambre. C'est en déprime là-dedans ? C'est la déprime, hein ? C'est la déprime totale, hein ? C'est quand même rustique ici, hein ? Mais moi j'ai toujours aimé le rustique parce que c'est du costaud le rustique. C'est des meubles durs. On les a pour la vie. Mais Gérard, c'est toi qu'on veut pour la vie. C'est toi qu'on veut dur. C'est vrai, Linda, tu m'as jamais dit. Ça a sombré, on en veut pas de ça à notre époque. On peut avoir du même rustique, pas trop. Fin de la visite, c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que tu penses de la visite ? Je pense que j'en suis conscient qu'il va falloir faire pas mal de choses dans cet appartement pour le vendre. Il va surtout falloir l'épurer, le vider, enlever ce côté brocante. J'ai du mal à voir la superficie de chaque pièce. Sur le prix, je te cache pas que je suis un peu inquiet. Je vais donc aller me renseigner un peu sur le marché immobilier de Poissy. Ok. D'accord ? D'accord. Merci Linda. Prends soin de lui quand même. Hein. Oui. J'essaie de revenir avec ma décoratrice le plus rapidement possible. Merci Stéphane. Soyez heureux dans la brocante. Merci. Quelques jours plus tard, après une enquête minutieuse, Stéphane retrouve Gérard. Il est urgent de reparler du prix. Je me suis renseigné sur le marché de l'immobilier. Oui. T'es hors du temps. C'est pas vrai. C'est irréel ce que tu demandes. Non. C'est même pas un problème de décoration. Hein ? C'est un vrai problème de prix au départ. D'accord. Et pour lui en faire la démonstration, Stéphane n'a pas besoin d'aller bien loin. Un appartement de 77 mètres carrés, soit 11 mètres carrés de plus que celui de Gérard, est en vente dans la même résidence. Premier point fort, il est au quatrième étage. T'as une cuisine assez spacieuse. Elle fait moins couloir que chez toi. Salle de bain, avec une baignoire. C'est peut-être mieux que mon bac à douche. Pour finir, dans cet appartement, il n'y a pas deux, mais trois belles chambres lumineuses. Où j'ai un vrai souci, c'est que cet appartement, 11 mètres carrés de plus, il est moins cher que le tien. 159 000 euros net vendeur. Wow. 21 000 euros d'écart. Oh, c'est pas possible à ce prix-là, non. Non, moi, il me faut au moins 170, 175 000 euros. À 170 000 euros, net vendeur, j'y crois pas. Impossible. On ne vend pas par rapport à un projet. L'acheteur, il n'est pas là pour te faire plaisir. Il est là pour acheter par rapport à un prix du marché. Moi, je ne le vendrai pas moins de 170. Moi, il me faut cet argent-là pour racheter. Oui, mais ton appartement ne vaut pas ce prix-là. Gérard campe sur ses positions. Alors Stéphane abat une dernière carte. Un appartement identique au sien. Il est en travaux, hein ? Même superficie, même disposition, vendu il y a seulement quelques semaines. Celui-ci s'est vendu, 156 000 euros net vendeur. Oui, il y a des travaux à faire, mais ce n'est pas 180 000 euros. Si on veut être objectif, je peux espérer vendre ton appartement après travaux à 165 000 euros net vendeur. T'es déçu ? Un petit peu, je pensais que mon appartement valait beaucoup plus. Au-dessus, j'y arriverai pas. Écoute, faut me laisser du temps. Le fait que Stéphane me dise 165 000 euros, ça m'en a mis un petit coup sur la tête. Mais je vais réfléchir à ce prix-là, et puis on verra. Vous voulez vendre pour réaliser votre projet ? Vous aimez votre bien ? Bref, comme Gérard, la tentation est forte de fixer un prix de vente très élevé. Mais le risque, c'est que les visiteurs ne se déplacent même pas. Votre bien va donc rester sur le marché et tourner en boucle dans les annonces. Attention, les acheteurs commencent à consulter les annonces 3 mois avant de lancer les premières visites. Ils vont donc se méfier. En période de crise, on a tendance à dire qu'il existe un, voire deux acheteurs seulement pour un bien. Si vous loupez une opportunité, la chance ne se reproduira pas deux fois. Et c'est un autre bien, au bon prix celui-ci, qui se vendra. Mon conseil, si après 3 mois de mise en vente, vous n'avez pas eu la moindre visite,
baissez votre prix. Pour aider les visiteurs à se projeter dans l'appartement de Gérard, Stéphane a pensé à Sophie Ferjani, architecte d'intérieur. Il compte sur son talent et ses astuces pour sublimer ce 66 mètres carrés sans excéder 4% du prix de vente, un des principes du home staging. Quelques jours plus tard, Sophie et Stéphane réfléchissent à quel style choisir pour plaire au plus grand nombre. Qui c'est l'acheteur pour toi de cet appartement ? Alors, le problème, c'est que c'est très large. Premier étage, sans ascenseur, 66 mètres carrés. Ça peut être un jeune de 25 ans, ce qu'on appelle un primo-accédant. Tu vois, tu connais bien le truc. Je peux avoir des quarantenaires ou des personnes encore plus âgées, puisque premier étage sans ascenseur, c'est accessible. Alors moi, ce que je te propose peut-être, c'est de partir sur une décoration assez classique. Vu que c'est un budget qui est assez raisonnable, un petit budget pour l'Île-de-France finalement, peut-être que c'est des gens qui se disent « je ne vais pas avoir des prestations très luxueuses pour ce prix-là ». C'est sûr. Alors peut-être qu'on peut les surprendre, proposer des choses beaucoup plus qualitatives, tu vois, d'être sur une décoration classique, chic. Ben quoi, pas bien pour alors, moi. Alors, je t'explique. Oui. Là, j'ai du sol. Ce qui fait le plus rêver, c'est le parquet, tu sais, un peu chevron, pointe d'ongrée. Ah oui, ben carrément. Eh ben écoute, normalement, j'en ai là-dedans, tiens, regarde. Ça, c'est les salles, on a quoi d'autre ? Va fouiller dans les papiers peints, va te faire plaisir. Allez, viens, ma Sophie. Alors, tiens, regarde, ça, c'est un exemple. Ce qui peut être sympa, là, c'est qu'en fait, ça rappelle un peu du trompe-l'œil. Ça rappelle des carreaux émaillés d'époque, non ? T'aimes pas ? On va dire, t'aimes pas du tout, hein ? Bon. Non. OK. Ouah, pourquoi pas ? Là, on ramène un petit peu de scandinave. Ouais. C'est tendance, et en même temps, c'est assez classique, c'est des tonnes qui passent partout. Oh, c'est pas mal, ça, moi, ça, oui. Deux jours après, le projet de Sophie est bouclé. Elle vient le présenter aux intéressés. Ah, toujours marcher du même pied. C'est ma grand-mère qui me disait ça. Je vous présente Sophie Ferjani. Enchantée Gérard. Gérard et Linda, ils sont juste amis. Enfin, on n'en saura pas plus. Alors, visitant ton appartement, tout ce qu'on retient, c'est le voyage, l'exotisme. Mais finalement, en fait, quand on ressort de là, on se rappelle plus tellement des volumes. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, c'est dépersonnaliser cet appartement. Mais la deuxième chose qu'on aura fait ça, c'est qu'on va se rendre compte que les volumes ne sont pas assez en adéquation avec nos besoins contemporains. En effet, Gérard a un appartement très cloisonné, typique des constructions des années 70. Or, les acheteurs sont à la recherche de grands espaces à vivre. Sophie a donc prévu de faire tomber une partie de la cloison entre l'entrée et le séjour, et toute la cloison entre le séjour et la cuisine. Alors là, c'est la perception qu'on aura dès la porte d'entrée. Ah ouais, effectivement, ça change. Cet appartement, moi je voulais lui donner un style assez intemporel. Il peut s'adresser à plein de personnes. Donc moi j'ai décidé de partir sur une base d'appartement classique parisien, dans l'apparence. Ce qui veut dire qu'on va mettre au sol un vinyle comme celui-ci qui reprend vraiment le parquet classique parisien, ce qu'on appelle en pointe de Hongrie. Et ensuite, au niveau des murs, on va tout repeindre en blanc. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que toute la cuisine va être repeinte dans une teinte kaki. Ça vous va pour l'idée ? Ah oui, je pense que c'est une très bonne idée. Bon, alors on va te montrer maintenant ce que ça donne vu de l'autre côté. En face, on aura désormais un vaste et bel espace salon, également traité avec des codes classiques, mais toujours chic. En termes de décoration, on va amener un grand canapé d'angle qui est gris pour justement montrer qu'on peut s'asseoir, qu'il y a vraiment des places pour recevoir dans ce salon, un autre fauteuil. Et puis, on va mettre un petit papier peint pour apporter une petite touche un peu plus peps de couleur qui est dans les tons un peu moutarde comme celui-ci, qui est également très tendance. Linda, qu'est-ce que t'en penses ? Très bien, parce que c'est joli. Il y a beaucoup plus d'espace. Tu peux même danser le tango. Dans le tango, par exemple. Mais d'ailleurs, tu nous danseras le tango si on vend. On dansera le tango ensemble. T'es sûr ? Tu me vouvoies dès que t'as peur. Bien sûr, j'en suis sûr. Je danse le tango. D'accord, c'est bien. Et moi, je ferai les castagnettes. Alors, ils sont dissipés, hein ? Ils sont dissipés, hein ? On va se concentrer. Hein. Alors, on est bien ? On est bien. La salle d'eau, ici, va s'agir essentiellement de relooking. On va appliquer sur tous les carrelages un enduit minéral. Donc en fait, tu auras une salle de bain très zen. Au sol, on va mettre un vinyle également, mais façon bambou. Et puis là, on va juste faire une astuce, c'est de relooker ce meuble de salle de bain sans le changer, simplement avec des poignées, un plan de travail et une vasque. Vous allez voir, ça va complètement le métamorphoser. Ça donne envie d'aller maintenant. Ah, ah, t'aurais envie de... Oui, là, non, ça... Ça te donne envie, ça D'aller me laver, oui. Bien sûr, bien sûr.
Le bureau de Gérard va devenir une chambre d'enfant. L'idée, c'est de montrer à l'acheteur potentiel que cet appartement peut accueillir une famille. Et pour apporter une réponse au rangement, le placard du couloir, je vais le réouvrir côté chambre. On va découper le mur. On va se retrouver du coup avec un placard intégré dans la chambre, ce qui évite en fait d'encombrer la chambre avec une grosse armoire. Une armoire. Exactement. Mmh. Deuxième chambre, la chambre parentale. Ça fait drôle de voir la chambre comme ça. Tu vas venir plus souvent. D'habitude, je viens pour un café, maintenant, je vais venir pour deux cafés. Enfin, le café du soir, le café du matin, c'est possible. On a compris. Merci, ça sera deux fois. Tu me donneras ton secret quand même, hein. Petite pilule bleue. Ah, et ça paf, ça. Cette chambre sera aussi repeinte dans des teintes sobres et élégantes et Sophie fera des économies du côté du sol qui est impeccable. Je vais réaménager différemment. Je vais tourner le lit face à la fenêtre. Je vais mettre au dos de ce lit deux consoles pour avoir du rangement. Et je vais pouvoir me passer du coup d'armoire. Ça te plaît? Ah, ça me plaît, oui. Cet appartement-là, il a besoin de changement. Et là, c'est très bien. On vous laisse étudier un peu tout ça et puis on se retrouve pour le déménagement et les travaux. Aujourd'hui, on emballe le Capharnaüm de Gérard et pour lui donner du cœur à l'ouvrage, Stéphane a décidé de lui faire un clin d'œil. C'est par là, Sophie, je te dis. Écoute, sur mon plan de poissy que j'ai déniché dans une brocante, cette rue n'existait pas encore. Là, c'est là. T'es sûr? Oui, c'est là. Okay, Gégé la brocante. Gégé la brocante. Je vais vous donner, Gérard. J'ai voulu faire le brocante de votre plaît. Bonjour, Christelle. C'est ta fille? C'est Christelle. Et c'est ton mari? Non, c'est le voisin Alain qui est venu nous. Qui avait lui donner un coup de main. Viens, papy. Oui, papy. Viens, pour que tu te casses un truc. Oui, quand je vais vendre, tout le monde sera bien content. Comme d'habitude. Dans la brocante de Gérard, on appelle les grosses pièces. Gérard a plus d'une vingtaine de gros meubles rustiques qu'hélas, Sophie ne peut réutiliser dans la nouvelle déco. Direction donc, le garde-meuble. Basculez-moi ça. Voilà. Et comme ça, on glisse, les gars. Mais vous avez jamais déménagé, regardez. Voilà. Dans la cuisine, il faut déplacer le congélateur. Je vous rappelle quand même qu'on va ouvrir cette cuisine sur ces jours. Une fois que c'est ouvert, on ne laisse pas un congélateur au milieu du salon. Mais t'es fou! T'as failli m'écraser les pieds ou quoi? C'est quoi dans la porte? Sophie, on fait de la place. Et bien sûr, on emballe en lieu sûr toutes les trouvailles de Gérard. C'est quoi ça? La banane, avec ça, plein d'énergie, c'est très bon pour le... Et moi, j'en prends une le matin et ça me met en forme toute la journée. Ah oui? Ouais. Quand tu prends une banane, oui. Pas celle que tu crois. Sans transition, on retourne à la brocante de Gégé pour le plus gros chantier. Il faut empaqueter ses 50 œuvres d'art. On s'attaque au tableau. J'en ai rêvé. C'est vrai? Il faut que ça parte à la benne, ça. Mais ça va pas, on n'aimait pas la benne. Déjà, c'est pas à toi, c'est à papa, pour commencer. Et ensuite, on ne jette rien. Vraiment? Mais vraiment? Tu crois qu'on peut récupérer ce genre d'horreur? Alors moi, je vais te dire, je relève le défi. Je vais en prendre deux ou trois, je vais les remettre dans la déco de ton père. Mm-hmm. Paris tenu? Ok, top là. Bon. Après les tableaux, on emballe tous les Bouddhas, les figurines... Ah, il y a encore un petit tableau qui traîne. Pour le plus grand plaisir de Stéphane. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est plutôt religieux, c'est pas une horreur, hein, excuse-moi de te le dire. Ça, c'est le pain béni. Jésus a décidé de rompre le pain. Tu vois, Judas est ici, voilà. Lui, il demande pardon. Tu vois, lui, il comprend pas non plus. Il doit s'éloigner de ton père. C'est ton père, il est voûté, il dit, est-ce que vous pouvez me vendre, Jésus, 170 000 euros, 180 000 euros, mon appartement? Il peut prier longtemps, hein, je crois. Merci. T'as entendu? On rigole pas avec la religion, tu peux prier longtemps. Tous les soirs, t'iras prier. C'est vide.
Merci Alain, merci Christelle d'être venue. On a beaucoup de choses à faire demain. Ah, y a beaucoup de choses à faire, on va casser des cloisons, on va rajeunir la cuisine, enfin, y a du taf. Bon, on va se reposer. Oh là là, merci encore Alain, vraiment. Hein. Sophie et Stéphane, arrivés tôt ce matin, s'accordent une petite respiration en noir et blanc avant le début des transformations. Oh, lui, il est beau, lui. Oh là 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 là. Ça, c'est beau. Ça, c'est un beau. Pourtant, c'est pas mon type de mec, les non, bons. Non, bah non. Ton type, c'est quoi? C'est plutôt méditerranéen. C'est moi. Grand, fort, baraqué. Bah oui. Pas toi, quoi. Mais non, mais un petit peu, un petit peu. On y va. Bon, ok. Salut, Gérard. Gérard. Et Gégé arrive avec son équipe de charme, Linda et Caroline, la deuxième de ses filles. On y va alors, Sophie ? Allez, aussi, mais... Alors, allez, on y va. Le début du chantier est très organisé. Stéphane, en équipe avec les filles, est en charge d'abattre la cloison entre la cuisine et le séjour. J'ai pas de casque, mais il faut toujours se protéger. Je préfère avoir l'air con, mais être protégé. Et Sophie, en binôme avec Gérard, va réaffecter une partie des rangements du couloir à la petite chambre. Donc je vais condamner la porte du couloir et je vais ouvrir une nouvelle porte ici, en fait, pour avoir un rangement dans la chambre. Et on mettra un joli rideau devant. On casse ici. C'est parti pour le premier coup de masse. Ouais, Pierre, Léo, t'as raison. Je pense toujours aux gens qui m'ont fait du mal quand je frappe dans un mur. Je pense toujours aux gens qui m'ont fait du mal. Non, ça fait du bien, quand même. Allez, Gérard. Montre à tout le monde que tu sais bien travailler. Ouah, GG. Maintenant, Sophie explique à Gérard comment relooker à moindre frais un meuble de salle de bain. On va le customiser pour qu'il se fasse très actuel, en tout cas qu'il soit inscrit dans un style très nature, style que je veux donner à ta salle de bain. Pour ce relooking express, il faut un plan de travail, une nouvelle vasque, un mètre, un crayon à papier, une perceuse, une scie sauteuse, une pince, un tube de silicone, des petits morceaux de bois flotté et des vis. Après avoir enlevé l'ancien, on vient poser le nouveau plan de travail. Puis, on prend des mesures pour bien centrer la vasque et on délimite la partie que l'on va découper. On applique un joint acrylique pour coller la vasque de façon étanche. On peut maintenant fixer le plan de travail avec des vis. Pour parfaire le style, on change les poignées. Ici, Sophie opte pour des morceaux de bois collés. Et on fixe un nouveau miroir. Il faut aussi s'occuper du carrelage mural. Pour éviter de tout déposer, Sophie a choisi un béton ciré minéral. Ce produit très résistant s'applique directement sur le carrelage, sans sous-couche. Côté préparation, on a simplement à mélanger le béton coloré avec de l'eau. Un jeu d'enfant. Ouais. Ah, c'est tout, c'est tout. C'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Enfin, les projections un peu partout. Mais t'inquiète pas, je gère, je gère. Deuxième épreuve. Alors maintenant, taloche. On applique là et on met ici. Oh yeah. Ça fait de la matière, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, ça va durcir. Première okay. Couche comme ça, on y va. Le parti pris de Sophie, c'est de créer une décoration classique mais chic. La fine équipe s'applique donc à redonner des codes élégants à cet appartement. Du papier peint dans le séjour. Tu chasses vers l'extérieur, vers l'extérieur. Et du vinyle imitation parquet, point de Hongrie. Très bien. Super, Linda. Les travaux dureront encore quelques jours. Le moindre détail a son importance pour la vente. Dans quelques instants, Gérard va retrouver son appartement transformé pour la vente. Mais en attendant les derniers ajustements de Sophie, il retrouve Stéphane au pied de son immeuble. Oh, mais t'es plus beau. Tu vas bien ? Oui, ça va très bien. Alors, bon, ben, faut quand même qu'on parle d'argent et de prix de cet appartement. Ok. Est-ce que tu as pu un petit peu réfléchir, méditer ? Oui, j'ai bien réfléchi, j'ai bien pris conscience du prix actuel du marché.
Et pour moi, 160 000, ça sera un peu juste pour pouvoir racheter quelque chose là où je vais aller. Mais à 165 000 euros, ça serait très bien pour moi. D'accord. Okay. Bon, on y va parce qu'on y va. Tu sais que c'est pas un rendez-vous galant là que je t'ai proposé. Hein. Linda est au rendez-vous pour découvrir l'aménagement final. Allez, viens, je vous laisse à côté des amoureux, venez par ici. Oui, allez, va. rentrez la belle Sophie là. Ben oui. Bonjour ma belle Sophie. Ça va? Ça va. On ferme la porte, ça résonne dans le couloir. Ah là. Wow. Bienvenue chez toi, Gérard. Ça change, hein? Oh, maintenant, mon ancienne déco, mes tableaux. Alors, Gérard, ici, on a complètement ouvert ton appartement. On te l'avait expliqué, ce qu'on voulait, c'était pas tant avoir une cuisine ouverte, c'était à récupérer des mètres carrés dans la pièce à vivre. Donc, ce qui m'a permis de venir installer ici la table de salle à manger. Alors, la table de salle à manger, tu la reconnais, c'est ta table de cuisine. On a simplement mis une résine blanche dessus. En fait, je voulais vraiment jouer avec des blancs un peu immaculés ici pour agrandir un peu les espaces, les volumes, et puis surtout faire ressortir les belles notes qu'on a rajoutées qui sont un peu classiques. Le parquet, qui est un vinyle impression parquet en pointe de Hongrie. Les fausses moulures qui viennent cintrer aussi toute la pièce. Donc ça aussi, c'est du trompe-l'œil, c'est du papier adhésif qu'on a collé sur les murs. Donc on rend du charme à cet appartement et du cachet. J'aime bien, franchement j'aime bien. Et pour renforcer le cachet sans dépenser des fortunes, Sophie a décidé de peindre les meubles de cuisine avec une résine kaki. Le détail qui fait beaucoup, ce sont ses poignées en porcelaine à 7 euros l'unité. Et pour la touche de modernité, elle a ajouté une nouvelle crédence et des plans de travail à 160 euros pièce. La cuisine, on la reconnaît plus, alors que pourtant, on ne l'a pas du tout changée. C'est la même, mais elle est passée du côté un peu rustique au côté hyper à la mode. J'étais habitué au rustique, j'ai une petite amertume, mais quand même, je suis très content du travail qui a été fait. Grâce à l'ouverture de la cloison, l'espace salon, beaucoup moins enclavé, dégage une belle sensation de volume. Ah, ça change. Là, on a de la place. On était serré comme tout, là, ça va. Ah oui, c'est vrai que ça... Moi, je reconnais que c'est vrai. Bah, il était temps que tu reconnaisses quand même. Ouais. Bah oui, t'étais comme une petite sardine serrée comme ça. Hein? Ouvre-toi au monde. Tu t'aimes pas, bah dis-le nous. Qu'est-ce que c'est? Si, j'aime bien. C'est que je revois plus mes tableaux. Oh, dis donc, t'exagères. Ah, si, il y en a un. Un, deux, et il y a ton horloge, je crois. Exact. Sophie a réussi à remeubler ce coin salon avec un budget serré. Elle a réutilisé le chiffonnier de Gérard et a acheté deux petites tables à 59 euros, une suspension à 9 euros, un tapis à 59 euros. Et un grand canapé à 299 euros. Un canapé d'angle, ça montre de l'espace, ça vient épouser la forme du salon ici qui est plutôt en angle. Et puis ce gris, en fait, ramène toujours un côté un peu classique qui nous va bien. Pour toi, Gérard. Direction le coin nuit avec un stop dans le couloir. Devant le nouveau papier peint trompe-l'œil, Gérard est un peu dubitatif. Ah oui, c'est... moi je trouve que... Ouais, ça m'a... Il n'aime pas. Ben. Ouais, j'aime bien les moulures les portes. Ça met en valeur quand même un atout très positif de cet appartement, c'est qu'il est distribué comme dans les années 70, avec beaucoup de rangement ici derrière. Moi, j'ai voulu que ce couloir ne soit pas qu'un lieu de passage, mais que ce soit un lieu où on s'arrête pour vraiment faire ressortir ce point positif. Nous, on fait ça pour vendre. Je vous laisse regarder. Voyons ce que Gérard va penser de la salle d'eau. Du béton ciré sur les murs, un nouveau sol en vinyle imitation bambou et une nouvelle paroi de douche ont propulsé la pièce dans notre époque. Pour réchauffer cette ambiance zen, Sophie a installé une échelle en bois à 15 euros et des poignées très nature qui visiblement inspirent Stéphane. Regarde-moi ces poignées quand même, qu'elle nous a mis là. C'est le cerf qui est là, tu vois, c'est le brame du cerf. J'ai bien compris qu'elle te plaisait pas mes petites poignées. L'idée, Stéphane, moi je voulais proposer de l'astuce. Oui. L'idée c'est qu'en fait tu peux récupérer dans la forêt des petits morceaux de bois. Très bien, ma chérie. C'est plus naturel. Ah, on continue. Sortez, vous m'énervez. Direction l'ancien bureau que Sophie a transformé en chambre d'enfant. Gégé est décidément perturbé par les nouveautés. Ça change, hein? Ça a l'air entre deux, ça te fait plaisir quand même là, non? Non ou pas? Dis-nous, Gérard. Ce que j'aime pas, c'est trop, c'est peut-être les boules là-bas. L'intérêt des accessoires, c'est qu'ils suggèrent une ambiance sans être définitif. L'idée, c'était de créer une chambre pour enfants. Okay. Mais c'est quand même neutre, parce qu'en fait, imagine que tu enlèves tous les meubles, tu peux te projeter dans un bureau ici. Et puis ça permet de montrer l'espace, de montrer le volume pour les acheteurs, parce qu'on avait quand même 9 meubles dans 9 mètres carrés. I've been saving.
Sophie a aussi redonné de la fonctionnalité à cette pièce. Du rangement, maintenant, on en a intégré dans la pièce, alors qu'avant, on n'en avait pas. C'était le défaut de l'appartement. Ah, oui. Donc ça, on l'a ouvert ensemble. Maintenant, tu as un dressing qui est intégré à ta pièce et plus besoin de mettre une grosse armoire dans la pièce. Ouais. Astuce. Dans la chambre parentale, Sophie a repensé la disposition des meubles. Je trouve ça original parce qu'on a de la circulation, ma Sophie. Alors, l'idée, effectivement, c'est de marquer les esprits lors des visites. Et donc, en fait, moi, ce que je voulais ici, c'est te surprendre un petit peu. Déjà, de par ce mur qui vient comme un U, un petit peu cercler le fond de la pièce. Mm-hmm. Donc, en fait, on a utilisé une peinture un peu ardoise. On a peint sur ton papier peint, tu remarques là. Et puis, on a mis quelques tableaux, toujours dans cette idée très graphique, très typo, qu'on retrouve un peu partout dans l'appartement. Il y a des petits messages, des petits clins d'œil, voilà. Alors, ça te plaît ? Ça me plaît, oui. Très bien. Et toi, Linda ? À part lui au milieu de mes pièces que je ne supporte pas. Pourquoi tu ne supportes pas ? Ça fait cercueil. C'est très psychologique. Ça fait cercueil. Ouais. Voilà, excusez-moi. Oui. Au Portugal, on veille les morts dans les... On veille au milieu de la pièce. Ah. C'est psychologique, hein. Toi, ta sagesse, Linda, tous les jours, j'apprends avec toi. On a quelques prix, ma Sophie. Tout à fait. Alors, j'ai utilisé deux commodes à 60 euros pièce ici pour créer une tête de lit, deux jolies lampes de chevet qui coûtent 45 euros pièce. J'ai mis également au bout trois jolies malles. Il y en a pour 150 euros, le lot des trois. Oh, Sophie, t'as bien travaillé. Hein. Non, mais c'est vrai. Au total, Sophie aura dépensé 6 430 euros, ce qui correspond à 3,9% du prix de vente. N'oublie pas que je t'ai promis quelque chose, Linda. Ok. J'ai pas oublié cette danse qu'on doit faire ensemble. Je danse le tango, on va danser le jour des visites. Ça sera l'osmo si on a vendu, et sinon ça nous permettra d'avoir un peu de réconfort si on n'a pas vendu. On danse. Ah bon. Olé ! On y va, Sophie. Allez, on y va. Salut ! Trois semaines plus tard, Stéphane revient d'un pas décidé à Poissy pour le jour attendu des visites. Bon Gégé. Bonjour mon Stéphane. Tu vas bien ? Ça me fait plaisir de te voir. Bien moi aussi toi. Hein. Oui, oui, j'ai bien mangé, mais j'espère que tu vas m'annoncer une bonne nouvelle. Eh bien écoute, en tout cas, on a des visites. Ah, combien il va avoir de visites ? Bah, calme-toi, détends-toi. Mais dis-moi. Trois visites, c'est pas rien. Pas mal. Bon. Mais j'espère qu'on va conclure. Bah, moi j'espère toujours conclure, on va bien voir. On verra bien. Et aujourd'hui, ils vont visiter une jeune femme accompagnée de ses parents, un couple et sa petite fille, et une femme célibataire venue avec une amie. Le salon fait 29 mètres carrés. Ben ça, c'est bon. Voilà. J'aime bien la couleur. Je suis pas fan de la couleur. Après, par contre, il y a de la place. Moi, j'aime bien. Ah, ça me fait rappeler un peu le soleil et tout. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le papier peint, même la couleur des murs, enfin... Je trouve que c'est harmonieux. C'est très sympa. Le fond, le mur, là, top. Et donc là, c'est un sol, regardez, là, Imitation Parquet qui est en vinyle. Ah, ça. Ça, j'aime bien. Ah, ça. Ça, j'aime bien. J'aime pas du tout le parterre. Le sol en vinyle, là, vous aimez pas, non ? Pas du tout. Je préférerais du parquet, même s'il est flottant. Plus cher. C'est marrant, ça. C'est marrant, c'est sympa. C'est original. Oh, c'est les placards. Ah ouais, ça, c'est tout à fait son style. Ah, ça, j'aime bien la douche. Ça vous plaît ? Ah, la douche, j'adore. Elle est bien. Elle est bien. Ah oui. Tu vois, Maëlys ? Ça, ça peut être ta chambre. Par contre, elle est un peu petite. On a récupéré ce placard pour le mettre dans la chambre. Ah oui, c'est bien. Ça évite de mettre une armoire dans la chambre. Petit, hein ? Oh, très petit. C'est dommage. C'est vraiment petit, Gérard. C'est dommage. C'est vraiment petit. Alors, cette chambre, elle fait 10 mètres 70. Vous avez vu comme Gérard est précis. C'est tout à fait notre style de déco. Oui. C'est bien rangé. Ah bah oui, regardez, habille ses chaussettes. Alors là, franchement, félicitations. Chaussettes de sport, chaussettes pour sortir, chaussettes, et il y en a des chaussettes, et il y en a. Fin des visites. Sur les conseils de Stéphane, Gérard a descendu son prix à 165 000 euros. Il n'est pas prêt à faire un effort de plus. Les visites d'aujourd'hui déboucheront-elles sur une offre à la hauteur de ses attentes ? Linda est à ses côtés pour le verdict. On a eu aujourd'hui trois visites. Ça s'est plutôt bien passé, non ? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Maintenant, il faudra voir s'il y a une conclusion. Je me sens pas... J'espère que tu vas m'annoncer une bonne nouvelle, quoi. On va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Alors, je vais commencer par notre dernière visite. Oui. Elle ne l'achètera pas. Ah.
Tu l'avais pas ressenti comme ça? Bah oui, je la sentais pas trop, hein. C'est vrai que... Ouais. Après, on a eu un jeune couple. Oui. Avec la petite Maïlys. Ils achèteront pas. Non plus, d'accord. Ils trouvent les chambres un peu petites. Ça laisse pas beaucoup d'espoir, hein. Il en reste une. Mmh. Elle achète. C'est pas vrai. Et j'ai une offre écrite. Oui, mais à quel prix? Ne me fais pas... Dis-moi, ne me fais pas poireauter. J'ai le cœur qui est en train d'exploser, là. Tu peux faire un effort de combien? Non, je peux pas faire l'effort. Il me faut le maximum. Pour moi, tu dois l'accepter et partir. Oh, c'est pas vrai. 165 000 euros net vendeur. Génial. Je peux t'embrasser sur la bouche? Oh, sur la joue. Le prix que tu m'as dit. Hein? Merci. Super. Ah. Génial, super. Ah, je suis heureux. Grâce à cette offre, Gérard va pouvoir s'offrir un appartement au Portugal, le pays de sa belle Linda. Avant de partir, Stéphane tient à honorer une dernière promesse. Linda, le danseur. Linda. Bienvenue à Viry-Châtillon, commune résidentielle de l'Essonne, située à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris et à 6 kilomètres de l'aéroport d'Orly. La ville est connue pour le premier aérodrome organisé au début du XXe siècle. Des aviateurs célèbres comme Roland Garros y ont effectué des vols. Avec ses nombreux espaces naturels, son aqueduc qui alimente Paris en eau potable et son accès au transport, elle offre un cadre de vie agréable à ses 31 000 habitants. C'est ici que vivent Kitty et Christian. À vendre maison de 100 mètres carrés, double séjour, cuisine ouverte, 3 chambres et sous-sol total. Prix de vente, 320 000 euros, net vendeur. Kitty, comptable, et Christian, ingénieur informaticien, quarantenaires tous les deux, se sont rencontrés au lycée. Leur relation a commencé d'une façon plutôt originale. C'est parti d'un pari, en fait. On faisait des compétitions de drague, entre guillemets. Et là, il y en a un qui m'a relancé. Ben voilà, ça, une chinoise, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'était un challenge. Ce qui n'était au départ qu'un jeu s'est transformé en une belle histoire d'amour. De leur union sont nés deux garçons, Jérémy qui a aujourd'hui 17 ans et est en internat, et Loïc, 14 ans. Qui l'aurait cru? 25 ans, ça te dure notre histoire. Eh oui. Bon ben... Et chez ce couple mixte, on mélange les cultures. On mange aussi bien français que chinois ou indien. C'est d'ailleurs avec Olga, la sœur de Christian, que Kitty a appris la cuisine indienne. Tu mettras les tomates après, une fois que c'est bien frit, les crevettes. Je l'ai appris une ou deux fois. Ça se développe pas mal, vraiment. Après, j'ai goûté ses repas et ils étaient très, très bons. Avant, il allait tout le temps chez sa sœur pour manger indien. Et voilà, comme elle m'a appris à faire la cuisine indienne, il reste un peu plus souvent manger à la maison. Kitty et Christian voulaient que leurs enfants grandissent au vert. Alors, il y a 15 ans, ils ont acheté une maison à 800 mètres de la base nautique de Viry-Châtillon. Les garçons, en général, quand ils viennent ici, ils font du vélo, ils font du tennis et ils ont la possibilité aussi de faire les mini-golf, piscine. Ah, c'est vraiment un cadre de vie qu'on cherchait, en fait. Mais après 15 ans de vie en grande banlieue parisienne, Kitty, citadine dans l'âme, rêve de s'installer tout près de Paris. Ce qui n'est pas forcément du goût de Christian. C'est vraiment par amour pour elle, hein, que je change de cadre de vie. Si Christian s'est laissé convaincre, Loïc, le petit dernier, lui, a du mal à accepter la décision de ses parents. Et Loïc, alors, t'es d'accord, toi? Non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est ma ville. Je sais pas, ici, je connais tout. Dès qu'il aura fait d'autres copains, je pense qu'il a oublié. Ouais, mais c'est sûr qu'actuellement, c'est dur pour lui. Mais Loïc a encore un peu de temps pour se faire à l'idée de quitter Viry-Châtillon. En 6 mois, ses parents n'ont eu que 6 visites et aucune offre. Je pense que la raison pour laquelle ça n'a pas été vendu, c'est que bah, y a quand même pas mal de travaux. Déjà, la salle de bain, c'est là où ça fait fuir les gens.
Et effectivement, depuis 15 ans, le couple ne s'est pas beaucoup investi dans sa maison. Et elle s'est beaucoup dégradée. Moi, je suis pas très bricoleur. J'ai pas envie de passer le week-end à bricoler, quoi, en fait. J'ai jamais de passion, en fait. Mais le couple a besoin de vendre sa maison pour pouvoir racheter un appartement près de Paris. Aujourd'hui, le projet de Kitty est donc au point mort. C'est le grand jour pour Kitty et Christian. Ils ont rendez-vous avec Stéphane Plaza et attendent beaucoup de son expertise. Ah, bonjour. Ah, ça s'ouvre pas, il n'y a pas de poignée ici? Non, il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Non, mais c'est-à-dire qu'on est obligé de se déplacer de là-bas? Ça marche plus maintenant. Ça marche pas, ça commence. En fait, à l'époque, on pouvait appuyer et puis ça s'ouvrait. Et c'est fini, ça? C'est fini, c'était la belle époque. Ah, ça commence bien. Bon, bah bonjour. Bonjour, Stéphane. Ça va? Ça va. Alors, merci. C'est comment le prénom? Christian. Christian. Et Kitty, bonjour. Alors? Oui, c'est Kitty. Ça va? Oui, très bien. Bon. Alors, pour comprendre ici, là, c'est pas mal, c'est résidentiel? Oui, c'est assez calme le soir. On est tranquille. Bah alors pourquoi vous partez? Ça a l'air bien ici, non? On vend parce qu'on a besoin de s'approcher de Paris. Pourquoi? Moi, je suis d'origine de Hong Kong et je vivais dans une grande ville et la vie me manque. Vous ennuyez ici un peu? On s'ennuie un peu, oui, puisque les sorties, c'est pas tous les jours. Non, mais en fait, elle parle pour elle. À toi, t'aimes bien ici? Ah, moi, j'aime bien ici, moi. Je bouge pour elle, quoi. Apparemment. Apparemment, absolument. Il est bien, cet homme. Absolument. Bah, bien sûr, sinon, je l'aurais pas choisi. Et vous essayez de vendre depuis combien de temps? 6 mois au plus. 6 mois? On a eu 6 visites, mais oui. On n'a pas eu d'offres. Donc vous vendez à quel prix? 320 000 euros. Net vendeur. Net vendeur. D'accord. Mais toi, tu veux pas partir, donc si elle se vend pas, t'es content. On voit bien qu'il rigole. Mais oui, il va rester dans cette maison. Il va te dire après, bon, on la vend pas, on reste ici. La visite commence donc dans une ambiance très badine. Mais Stéphane va-t-il garder le sourire en découvrant l'état des extérieurs? Alors, le jardin, pour moi, il n'est pas du tout entretenu. Mais là, c'est quoi, là? Là, c'est quand même une fuite, ça, c'est très grave. C'est une fuite au niveau de la terrasse. Mais ça fait combien de temps que c'est comme ça? Ça fait 2 ans. Comment? Oui, à peu près 2 ans. 2 ans. Oui. Non, j'ai fait quand même des travaux, regarde les portails, là, déjà. J'ai tout poncé, repeint. Ça, c'est très joli. Mais là, j'ai l'impression que la maison n'est pas entretenue, donc ça va donner un mauvais signe d'entrée à l'acheteur. Après ce premier constat négatif, Stéphane se dirige vers la maison construite sur 3 niveaux. Un sous-sol semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un premier étage. Cette architecture originale est directement liée au fait que leur terrain est inondable. Donc là, c'est tout le quartier qui est en zone inondable? Oui, c'est tout le quartier. D'accord, moi, c'est pas grave, ça. Ah non. Donc les fenêtres que je vois ici, on peut penser que c'est un rez-de-chaussée, mais en fait, c'est un sous-sol. C'est un sous-sol total. Oui, c'est ça. Donc ici, là, vous pouvez pas avoir des pièces à vivre. Non. Effectivement, en zone inondable, la loi peut interdire d'aménager une chambre dans un sous-sol. Les 45 mètres carrés qu'ils ont aménagés en bureaux, buanderies et salles de douche ne peuvent donc pas être comptabilisés dans la surface habitable. J'aime bien votre maison. Ah, c'est merci. Sympa. Sauf qu'elle est sympa. Tu vois, je me suis arrêté tout net quand j'ai dit elle est sympa. Hein. Elle est sympa, la terrasse. Elle aurait pu être sympa. Elle est à l'abandon, qu'est-ce qui se passe? Là, il manque le garde-corps, c'est dangereux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas laisser une terrasse comme ça. Il y a une mare au canard, il y a de l'eau partout, il n'y a pas de plantes. Tu dois le faire? Je dois le faire. Mais c'est pas fait. Eh ben, on est bien parti. Je dois le faire et c'est pas fait, je vais vous appeler. Hein? Voilà, on rentre à l'intérieur? Oui. L'entrée avec sa grande baie vitrée est une bonne surprise. C'est vrai que c'est joli, hein? C'est lumineux. Oui, ça, ça nous a plu aussi. Ça, je valide. En revanche, les rideaux, c'est quoi? C'est quoi cette ruine de rideaux? Je suis pas très couture. Oui, ça se voit. J'aurais bien aimé l'enlever, mais Christian, il veut pas l'enlever. Comment ça veut pas? Bah, tu dis qu'il n'y a pas d'intimité, les gens ils nous voient à travers, donc ils préfèrent avoir un truc. On veut laisser complètement sans rien. Après, si t'as envie de faire l'amour dans cette cuisine, c'est sûr qu'il faut avoir des rideaux pour l'intimité, il a raison. Peut-être que la cuisine m'évoque quelques plaisirs gustatifs. Pas sûr que les visiteurs, eux, soient très inspirés par la cuisine. Moi, je la trouve très très belle, elle est spacieuse. Sauf que là, rien n'est mis en valeur. Là, regarde, on a un carrelage qui est très sombre. Ça, c'est du bois, qui est plutôt très beau, d'ailleurs, ce bois. Mmh. Ici, c'est aussi sombre. On a besoin de quelque chose de plus moderne. Hein? Oui, c'est sûr. Bon, on passe au séjour? Oui. Alors, salle à manger, avec la cuisine ici, c'est super bien disposé. C'est lumineux. Là, on a une très belle pièce, là.
Mais le potentiel de ce double séjour de 31 mètres carrés est gâché par le mobilier daté et la décoration très personnalisée. C'est les parents ? C'est les parents de Christian. Ah mais tu viens d'Inde ? Oui, de Pondichéry. Ah bah, je connais très bien, moi j'ai fait un jeu d'aventure là-bas. Alors, c'est vrai que comme c'est un peu pimenté, j'ai fait une finale, j'ai été un peu dérangé. J'ai passé beaucoup de temps, je connais toutes les toilettes de Pondichéry. Après cette parenthèse touristique, direction la chambre parentale. C'est quoi ça, ce fil ? C'est juste un câble, Stéphane. Oui, bah oui, c'est juste un câble, mais c'est pour faire quoi ça ? C'est pour Internet. Ça sert de tyrolienne pour les données. non mais il se fout de moi, quoi. Bon, alors on rentre dans la chambre. On rentre dans la chambre. En tyrolienne. Eh ben, j'aurais peut-être pas dû rentrer dans la chambre. Oh la vache ! Cette chambre de 9 mètres carrés est encombrée, mais elle est surtout en très mauvais état. On a un papier peint qui se décolle complètement. On a l'impression qu'il y a une fuite d'eau au-dessus. Plus Stéphane progresse dans la maison, plus la liste des réparations s'allonge. En chemin pour le premier étage, il découvre que Christian a un sens des priorités très personnel. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est mon petit Bouddha. C'est toi qui l'as posé, là ? C'est moi qui l'ai posé, ouais. Ce qui est incroyable, c'est que ce truc-là, il est impeccablement bien mis. Il a pensé à la lumière. C'est un travail d'orfèvre. Hein ? Et alors, tout le reste, il n'a rien fait du tout. Mais ça, il l'a fait. Parce qu'il est motivé. L'étage est le domaine réservé des deux garçons. La chambre de Jérémy, de 11 mètres carrés, a un beau parquet. Mais là encore, des travaux sont à prévoir. Troisième et dernière chambre, celle de Loïc. C'est quoi ce regard ? Au moins une chambre. Au moins une pièce bien, où il n'y a rien à faire. Oh mais merci Bouddha. Mais tout devrait être comme ça. Là on a une belle superficie, on a même un balcon. Mais merci Bouddha. Fin de la visite avec la salle de bain. La Bouddha s'est barrée. Ouais, il s'est barré. Il s'est fâché même. Non mais là, c'est une catastrophe. Là-bas, je pense qu'il y a des fuites ou je ne sais pas ce que c'est. C'est des infiltrations. On n'est pas dans le truc moderne, les peintures, les fissures. C'est la pire pièce. Hein. En fait, on voulait la faire, mais on s'est dit qu'on baisse un petit peu le prix et que le futur propriétaire va le faire à sa guise, quoi, en fait. Alors c'est vrai qu'on se dit des fois, il va prendre la maison, puis il va nous faire une offre un peu plus basse. Mmh. Sauf que là, on n'a même pas envie d'acheter cette maison et de faire l'offre. Stéphane n'a aucun doute sur ce qui a pu effrayer les visiteurs. Je vais résumer, c'est doit le faire, pas fait. Oui. Il y a tellement de choses à faire. On s'en va, on court, on va acheter les autres maisons, mais pas la vôtre. Oui. Donc, il faut se relever les manches, il faut redécorer, redonner un coup de jeune à cette maison. On est prêt à faire des travaux. On est prêt à partir par amour. Oui, par amour. Bah oui. Bah, absolument, oui. Bon, bah on y va, vous me raccompagnez un petit bout. Oui. Si comme Kitty et Christian, vous avez un sous-sol avec une hauteur sous plafond de plus de 1,80 m et des ouvertures sur l'extérieur, vous pouvez envisager d'y aménager des pièces à vivre. Mais avant, vous devez prendre quelques précautions. Vous rendre en mairie pour vérifier que vous n'êtes pas dans une zone inondable et éventuellement déposer une demande de travaux. Attention, si vous êtes en copropriété, vous devrez aussi obtenir l'autorisation des copropriétaires. Lors de vos travaux, traitez l'humidité, pensez à la ventilation, à l'isolation et ne négligez pas la luminosité. Et n'oubliez pas que même si cet aménagement apporte une vraie plus-value, ces nouveaux mètres carrés augmenteront vos impôts. Quelques jours plus tard, Stéphane retrouve Kitty et Christian. Il veut refaire un point sur leur prix de vente de 320 000 euros net vendeur. Pour comprendre le prix du marché et des maisons qui sont en vente, je vais te montrer une maison qui s'est vendue, qui était en concurrence avec la tienne. D'accord. La maison en question se situe dans le même quartier et elle est comparable en tout point à celle de Kitty et Christian, ce qui signifie qu'elle a été en concurrence directe avec celle du couple aux yeux des acheteurs. Regarde, c'est des petits moines ou des bouddhas, ça ? Des petits moines. Ah oui, comme chez toi, regarde. C'est côté zen, ici. Et bien entretenu. Oui. L'extérieur compte autant que l'intérieur. Ouais. Donc il faut aussi qu'on travaille sur notre extérieur. D'accord ? Mmh. Allez, on avance. Alors que dans la maison du couple, de nombreux travaux sont à prévoir,
Celle-ci a été refaite récemment avec des prestations haut de gamme. Oui, l'ambiance est sympa et surtout, il n'y a pas de travaux à faire. Elle est moderne en plus. Voilà, ça plaît. Mmh. Parce que tout est impeccable. Donc là, au moins, tu te sens bien et tu te dis, bah, j'aimerais bien voir la suite. Mmh. Ouais. La chambre parentale est moderne et fonctionnelle grâce à son très grand dressing. Est-ce que vous voyez un petit peu l'ambiance? Oui. C'est vrai que là, comme c'est pas chargé, il y a le dressing à côté. Mmh. La salle de bain cumule baignoire et douche italienne. Waouh. Qu'est-ce que t'as dit, Christian? J'ai entendu un waouh. J'ai dit un waouh. Waouh. Ouais. C'est impeccable. Il n'y a rien à dire. Les deux chambres à l'étage ne nécessitent pas le moindre coup de pinceau. L'information importante, c'est à quel prix s'est vendue cette maison. Et justement, la nouvelle propriétaire est là. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez acheté il y a 3 mois. C'est ça, oui. Vous venez de rentrer. Voilà. Et il y a 3 mois, il me semble qu'il y avait votre maison. Mm-hmm. Pourtant, elle n'a pas visité. On nous l'a proposé, mais j'ai pas voulu. Le rapport qualité-prix me gênait un petit peu et il y avait beaucoup de travaux. À quel prix vous avez acheté cette maison ? 307 000 euros net vendeur. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça veut dire que déjà, il y a des acheteurs et on peut vendre votre maison entre 300 et 310 000 euros net vendeur. À quel prix on va mettre votre maison ? Oui, on part sur 310 000 euros net vendeur. Je suis d'accord avec elle. On est motivé, Christian. Ah, oui, tout à fait. Oui, tu me dis oui, mais il va falloir s'y mettre, là. Oui. Bon, on y va parce que c'est tu sais, Anne-Sophie, c'est ta nouvelle voisine, ouais. Mais elle nous invite pas à manger encore. On va la libérer et puis on y va. On d'accord y va. Merci, Anne-Sophie. Merci. Réparer et moderniser sont les deux impératifs pour espérer vendre la maison. C'est Emmanuel Rivassou, architecte d'intérieur, qui est chargé de cette mission. Dès le lendemain, les deux experts se retrouvent pour faire un point sur le budget des transformations. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je voudrais d'abord te parler de l'extérieur. Alors, ouais. Et t'écoute. Là, la terrasse, c'est un vrai problème. Oui. Ici, le garde-corps, il est en train de se décomposer. Donc, déjà, premier point, la sécurité. Le sol, pff, il est franchement pas terrible. D'accord. Et les jardinières avec les plantes qui sont en train de mourir, c'est pas bien non plus. On dirait qu'elle est laissée à l'abandon, cette terrasse. C'est vrai, sans parler de la fuite. Et oui, il y a ça aussi. D'accord. Est-ce que tu as un peu alors, chiffré tout mais ça? J'ai chiffré. Voilà le devis. Non, mais pas loin de 700 euros? Oui, je sais. Mais pour moi, c'est absolument nécessaire de dépenser ce poste-là. Alors, en regardons revanche, la on maison. Peut économiser ailleurs. Par exemple. Chambre de Loïc. Très bon état, on fait rien, d'accord. On fait rien. La cuisine, regarde. Oui. Habituellement, c'est vrai, je repeins ce type de bois. Mais là, on a un bois mat texturé. Donc, on pourrait le conserver comme ça. Eh bien, ça me fait plaisir parce que moi aussi, je le trouve beau, ce bois. En revanche, là, c'est très, très vieillot. Hein. Il va falloir trouver quelque chose. Hein. Je vais trouver, patron. T'inquiète pas. Ce soir, Emmanuel vient présenter son projet à Kitty et Christian. Alors, votre maison, de l'extérieur, elle se démarque. On a une structure intéressante. La toiture est travaillée en plusieurs pans. On a une grande baie vitrée en bois massif à l'entrée. Donc ça, c'est plutôt bien. Cependant, à l'avant, on a un garage assez imposant avec un toit terrasse laissé à l'abandon. Il devait le faire. Ah, il devait le faire. Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Eh bien, c'est dommage. Première étape, eh bien, ce toit terrasse, on doit le sécuriser. Donc on va fabriquer un nouveau garde-corps nous-mêmes à partir d'un système de lames emboîtables. C'est un système qui est simple et surtout économique. Mmh, très bien. Ensuite, au sol, je vais poser une pelouse synthétique. On va aménager avec du mobilier de jardin. Et surtout, dans vos jardinières, on va planter de la verdure. Au final, on aura une terrasse soignée, sécurisée et qui donne envie de s'y détendre. J'aime beaucoup les rideaux qui sont au fond, qui cachent un peu le vis-à-vis par rapport à la rue. Donc c'est très sympathique. C'est vrai que t'es très rideau, toi, là. Voilà, à l'entretien des rideaux, mais c'est sympa. Et toi, Christian ? Mais ça me plaît beaucoup. Dans le séjour de 31 mètres carrés, le mobilier comme la décoration ne sont plus vraiment d'actualité. Emmanuel a opté pour un nouveau style graphique. J'ai choisi de faire une composition noir-blanc-bois pour faire un contraste avec la structure de la maison qui est dotée de bois ancien. Plutôt que de venir repeindre le pilier central, eh bien, je l'ai laissé ainsi et j'ai apporté du contraste de la modernité autour. Ah, j'aime bien. Ça change ? Ça change, oui. Ça change, oui.
En noir et blanc, c'est parfait. Et pour garder un budget raisonnable, Emmanuelle a choisi de changer quelques éléments forts comme les chaises de salle à manger et de garder, quand elle le pouvait, le mobilier existant comme la table ou le canapé. Il est imposant, c'est vrai, mais en même temps, on s'adresse à une cible familiale, donc du monde à installer dans ce salon. J'ai donc choisi de le garder et de venir complètement le relooker avec des nouveaux plaids, des nouveaux coussins. La cuisine a plus de 30 ans. Mais Emmanuelle n'a pas le budget pour tout changer. Alors elle a trouvé des astuces qui vont faire toute la différence. Ce qui fait vieillot dans votre cuisine, ça n'est pas les portes en bois, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est les petits carrelages au sol, le petit carrelage sur la crédence, sur le plan de travail. Le fait d'avoir une surface lisse avec un béton crème sur le plan de travail, la crédence et au sol, eh bien ça va mettre en valeur le bois. Et en fait, tout simplement, en changeant les poignées un peu vieillottes par un modèle contemporain, votre cuisine, elle va se métamorphoser vraiment à moindre frais. Dans la chambre parentale, le papier peint en très mauvais état sera détapissé et les murs repeints. Emmanuelle a particulièrement réfléchi à la décoration pour tirer parti des 9 mètres carrés de la pièce. Quand on a un petit espace, une petite chambre, il ne faut pas hésiter à renforcer le côté cocon. On a des rideaux, des appliques en lin, des coussins, de la fourrure. Ça vous plaît cette chambre ? Oui. Ah oui, absolument. Super joli. Mmh. Dans la chambre de Jérémy, les bandes de papier peint BD seront retirées et les murs repeints dans des teintes actuelles. Dernière transformation, et pas des moindres. La salle de bain, c'est la pièce de la maison qui nécessite le plus de travaux. Il y a vraiment beaucoup de boulot. La priorité sera de réparer la fissure et d'assainir tous les joints moisis. Votre meuble de salle de bain est cassé, je le remplace par un ensemble en bois cérusé gris, esprit marin. Le carrelage, il fait un peu daté, je vais dynamiser cette salle de bain avec de la couleur, un bleu en brun que je vais mixer avec un vert kaki. Pour les nouveaux acheteurs, on aura une salle de bain saine, réparée, propre, neuve, et ça, ça peut nous aider à vendre. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces changements ? Parfait. C'est vrai ? Ouais, vraiment, on a hâte de s'y mettre. Bon, ben on se retrouve dans quelques temps. On vous laisse tout ça. Mais avant de s'attaquer aux transformations, il faut vider la maison. Kitty et Christian sont épaulés par deux de leurs amis, Cédric et Célina, qui vient comme Kitty de Hong Kong. Emmanuel et Stéphane se font désirer. Nous voilà pour déménager. C'est Bollywood, hein. Alors, j'ai visité toutes les toilettes de Pondichéry, mais j'ai ramené les tenues locales. C'est excellent. Ça me fait vraiment plaisir. C'est... Ah, je m'attendais pas à ça. Alors, je vais t'étonner parce que je parle chinois. Ah, bah, je vais te présenter ma collègue. Ni mao. Ça veut pas dire bonjour. Ni mao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Oh. 你是不是大老闆啊? 我是Selina. Ah, non, la panao, Stéphane. La panao. Ni hao. Ni hao. Emmanuel, tanopan, ça veut dire c'est tanopan? Tanopan, ça veut dire grand patron. Grand patron. Oh, tanopan. Ah, tu n'as pas tanopan. Je suis le manager du déménagement. Électrisé par son statut de talopane, Stéphane prend les choses en main. Il charge les filles d'emballer les bibelots trop personnalisés, pendant qu'il déménage avec Christian et Cédric les meubles trop imposants qui partiront au garde-meubles le temps de la vente. Ça, ça va être lourd hein, quand même, non ? C'est un peu lourd, oui. Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ? J'ai pas entendu quoi ? Faut faire fermer les portes avant. Comment ? Tu parles à qui, là ? Tu parles au grand patron, hein ? À ta manne, hein ? Le grand patron prend son rôle très au sérieux. Et c'est Christian qui trinque. Allez, lève. Palopane a dit de lever. Ça y est. Voilà, bah enfin. Il y a les escaliers, là. Eh ben oui, bah c'est toi qui descends, vas-y. Oh. C'est pour ça qu'on est resté de ce côté-là. Nous, on n'aura pas le poids sur nous, on n'est pas cons, nous. On va devoir mal. Voilà, très bien. Lève. Allez. Voilà. De son côté, Emmanuel se familiarise avec la prononciation chinoise. Pao hei kou, ça veut dire emballer. Ok, alors pao hei kou. Vas-y. Un exercice qui risque de lui être utile pour participer à la petite surprise organisée par Kitty.
un karaoké, véritable sport national en Chine. Ah, c'est bien comme chanson. Je sais que je chante bien. Fin de la pause musicale. Tout le monde se remet au travail. Pour la suite des opérations, Stéphane a décidé de faire un sort au rideau de Kitty, déjà en piteux état. Pour optimiser les 9 mètres carrés de la chambre parentale, Emmanuel ne garde que le lit. Le déménagement se poursuit donc entre découvertes intéressantes. C'est un appareil de massage. Et meubles montés à la va-vite. Je suis pas sûr qu'elle soit bien solide, non ? C'est vrai que je suis pas sûr pour le remontage. À la fin de la journée, la maison est prête pour les travaux. Comment vous sentez ? Ça fait un pincement au cœur quand même, hein. Ça fait 15 ans et je vois les meubles partir, ça fait quand même drôle, quoi. Et toi ? Moi, ça va, tout est vidé, c'est génial. C'est un soulagement, je sais pas pourquoi. Soulagement. Moi, j'ai un pincement au cœur, un soulagement. Elle se sent mieux, elle respire. Je vois ça, oui. Bon, on va aller se reposer déjà parce que demain, on a du boulot. On a du boulot. On y va ? Allez, venez vous reposer. Ce matin, Emmanuel, Stéphane et Marc, le paysagiste de l'équipe, ont commencé par le chantier de la terrasse. Kitty, Christian et Cédric arrivent avec une nouvelle recrue. Bonjour monsieur, vous avez des belles pommes ? Oui, ce sont les pommes du verger. D'accord, les pommes du verger. Et votre prénom, c'est quoi ? C'est Jean. Jean, c'est un copain, Jean ? Oui, c'est mon loban, mon talopan. Ah, c'est ton patron ? C'était mon PC. Voilà. Donc, on va faire la même chose, dans la rainure. Voilà. Bah, juste que si on n'est pas peur, hein. T'as mal vissé, là. Bah, comment ça, j'ai mal vissé ? Bah oui, regarde. Ah, t'as mal tracé, oui. Facile de dire. Ah oui, tiens pas, t'as vissé. Regarde. Avec un peu de concentration, il faut 2 heures pour monter le nouveau garde-corps. Le temps pour la deuxième équipe de recouvrir le plan de travail et la crédence dans la cuisine avec un béton minéral moderne et économique. On est d'accord que pour séduire le visiteur, c'était vraiment nécessaire de moderniser. De moderniser, ouais. Bon, ça va, je ne me suis pas trompée, alors Cédric est d'accord. C'est une très très bonne idée. Au sous-sol, pourtant refait à neuf, Christian a négligé quelques détails. T'es un peu fâché avec les coffrages, on dirait. C'est ça ? Bah en fait, je sais pas le faire. Tu sais pas faire ? Eh bien, justement, moi j'ai une astuce avec une plaque de médium et des aimants. Et tu vas voir le résultat. C'est simple, facile et rapide. Pour fabriquer un coffrage avec aimant, il faut une planche de médium, un mètre, un crayon, une visseuse, des vis, 2 aimants, 2 plaques de métal et de la peinture. Commencez par prendre les dimensions de l'ouverture à coffrer, puis les reporter sur la planche. Découpez 2 petits morceaux de bois sur lesquels seront fixés les aimants et les visser sur la planche. Fixez les aimants au ras des petits morceaux de bois. Vissez maintenant à l'intérieur de l'ouverture les plaques de métal sur lesquelles viendront se coller les aimants. Opération terminée, il ne vous reste plus qu'à peindre votre coffrage avec la couleur de votre choix. Comment ça va les hommes ? Eh bien ça va Stéphane ? Bon, eh ben, on vous a déjà apporté une petite pomme du verger. Ah, c'est gentil. Ça c'est la petite pause. Génial. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Eh ben, je suis en train de faire un remplissage de billes d'argile dans la jardinière. C'est oui. Un drainage. De façon que lorsqu'on va mettre la plante ne va pas traîner dans l'eau directement, elle sera en surface. Donc ça ne va pas pourrir la racine, tout simplement. Toi qui n'as pas la main verte, t'en penses quoi de cette Bah c'est très bien, terrasse. Surtout c'est pas moi qui le fais. Une autre des priorités pour la vente, c'est de réparer la fissure de la salle de bain. Cédric, Kitty, on est d'accord que cette fissure, elle est quand même impressionnante. Et en fait, à réparer, c'est pas grand-chose, vous allez voir. Première étape, il faut élargir la fissure à l'aide d'un cutter.
puis retirer les particules effritées à l'aide d'une spatule. Je pensais prendre des cours de bricolage. C'est vrai, tu voulais prendre des cours de bricolage pour pouvoir après faire le ta... Le faire moi-même, puisque c'est vrai. Au lieu de compter sur Christian. D'accord. On applique ensuite un enduit de rebouchage. Après le séchage, il faudra encore poncer et repeindre. Encore quelques jours de travaux et la maison sera prête pour la vente. Ce matin, Emmanuel peaufine la nouvelle décoration de la maison. Kitty et Christian sont sur le point de découvrir son aménagement. À la façade. Effectivement, on a réparé la fuite. Ça n'envoie plus de signaux négatifs. Effectivement, si je suis un acheteur, j'arrive et je regarde qu'il y a une fuite. Ça me fait peur, en fait. Ça y est, le vendeur s'est réveillé maintenant. Il va vendre et puis il se met aussi dans la peau d'un acheteur. Ouais. C'est ça. Emmanuel est impatiente de leur montrer la terrasse aménagée. Bonjour. Bonjour. Un petit bisou. C'est comme dans les dessins. Elle a jamais été aussi belle, la terrasse. C'est génial. J'en reviens pas. Ça te fait plaisir. Ah oui, ça me fait plaisir. Ouais. Mais ça, nous aussi, ça nous fait plaisir parce que même si tu veux vendre, on te voit heureux. Alors cette terrasse, elle est agréable, mais elle est surtout sécurisée. Ce nouveau garde-corps, on l'a fabriqué nous-mêmes avec un système de lame emboîtable. On en a eu pour seulement 300 euros de fourniture. Et la pelouse synthétique, c'est sincère. Ah, c'est... ah oui, regarde, bah, touché, regardez, c'est incroyable, hein. Ouais. On a habillé de végétaux, ça c'était vraiment très important. Et ensuite, j'ai aménagé avec des petits prix. Des voilages à 10 euros l'unité, la table basse 35 euros, les tabourets 19 et le fauteuil blanc 80 euros. Ah bah voilà, tu peux t'allonger là. Ah bah oui, je vais plus pouvoir partir maintenant. Ah bah ça, moi, ça m'arrange. Si vous voulez pas partir, je travaille moins, hein, les gars. Hein. Après cette entrée en matière réussie, direction l'intérieur de la maison. Dès l'entrée, le changement est radical. Et pourtant, la seule nouveauté, c'est le vinyle imitation béton gris sur le sol. La lumière qui entre et qui illumine cette cuisine, en fait, bah, ça vient de la baie vitrée. J'ai retiré vos rideaux, c'est tout. On les a retirés avec Kitty. Oui. Je pense que la lumière, tu sais d'où elle vient? De ton esprit. Ah, merci, patron. C'est vrai, t'es le génie du binôme. Qui s'en pense, Kitty? C'est vrai. Oui, alors t'aurais pu dire, Stéphane... Elle mérite une augmentation, du coup. Ah, merci, Kitty. Oui, bon, bah, on parlera de l'augmentation après. Dans la cuisine, il a suffi de quelques astuces bon marché pour tout changer. Je vois que le bois, il n'a pas changé. En fait, c'est les poignées qui font son effet. Exactement. Votre cuisine, elle a fait un bond en avant, elle a rajeuni, simplement en changeant les poignées qui m'ont coûté 3 euros pièce. Et ensuite, on a appliqué sur le plan de travail et la crédence un béton minéral. Et au sol, j'ai posé un vinyle aspect béton blanc. Bah, je trouve ça super, hein, en fait. C'est vrai que c'était vieillot avant. Et maintenant, c'est un peu plus moderne. Et pour le côté fonctionnel, Emmanuel a installé un manche debout à 70 euros et des tabourets à 99 euros pièce. C'est vraiment une bonne idée. Je pense que les enfants vont aimer. Dans le double séjour, Emmanuel n'a pas changé la disposition, mais elle a combiné des couleurs sobres, le vinyle imitation béton ciré et des accessoires tendance, comme ce lampadaire à 175 euros, pour créer une ambiance beaucoup plus moderne. C'est la maison blanche. Baraque va pas tarder à arriver. Effectivement, l'ambiance est épurée. On a du noir, du blanc, du graphisme. Ici, dans la salle à manger, j'ai conservé votre table. J'ai acheté 4 nouvelles chaises qui m'ont coûté 199 euros pièce. Elles sont en tissu et en bois et elles sont vraiment plus actuelles. Au-dessus, j'ai posé une suspension très graphique. Et ici, sur les murs, ces 3 rouleaux de papier peint différents, je les ai découpés, je les ai mis à l'intérieur de cadres. Et les cadres, ils m'ont coûté seulement 26 euros pièce. Elle est astucieuse, cette petite jeune. C'est hein? Moi, je croyais que c'était des cadres achetés. Non, mais ça aurait été beaucoup plus cher, en fait. Oui, c'est vrai. Ça a beaucoup changé et ça a réellement rajeuni cette pièce. C'est plus moderne et il y a un peu de zénitude. Avec les bougies et tout. C'est un peu romantique. Hein? Bollywood. Dans le salon, Emmanuel a réussi à créer la même ambiance graphique tout en limitant les dépenses.
J'ai gardé votre canapé. Je l'ai habillé avec des plaids. Il m'a fallu 6 plaids à 8 euros, donc 48 euros pour recouvrir complètement ce canapé. Je sais compter. Je suis tombée sur une perle rare. Oui. Non, Kitty, on ne va pas l'augmenter. Non, Kitty, regarde ton salon. Arrête de vouloir regarder mes dépenses, hein. Grâce à ses économies sur le poste canapé, Emmanuel a pu investir dans des tables basses à 90 euros l'unité, un tapis à 130 euros et un meuble télé à 300 euros. On va vous laisser rentrer, hein. Toi l'honneur, Kitty. Merci. Ah, là, il n'y a plus sur place. Les 9 mètres carrés de la chambre parentale n'étaient pas du tout optimisés. Alors la pièce a été désencombrée et le papier peint très abîmé, retiré. Et pour faire oublier l'exiguïté de la pièce, le parti pris d'Emmanuel, c'est d'installer une ambiance cosy. Toujours avec des petits prix. J'ai conservé le lit. La tête de lit, c'est la vôtre. Je l'ai habillée avec du tissu blanc. Et puis j'ai ajouté du linge de lit, beaucoup de coussins. Ça va de 10 à 13 euros le coussin. Les appliques en lin m'ont coûté 33 euros pièce. Le tapis en fausse fourrure, 15 euros. Les rideaux, le voilage, 10 euros. En fait, j'ai vraiment mixé les matières douillettes parce que c'était important dans cette chambre d'avoir une ambiance cocon. Bon ben. Vous ferez après connaissance avec cette chambre parentale. Mais d'abord, on va aller là-haut. D'aller là-haut, hein. À l'étage, le budget de la chambre de Jérémy a été consacré aux nouvelles peintures. Oh, je préfère comme ça parce que c'est plus net. Pour l'aménagement, c'est vraiment 100% de home staging. Le bureau était ici, l'armoire était à vous, le lit aussi et le pouf aussi. Très parfait. La chambre de Loïc était en très bon état. Quelques accessoires ont suffi, comme cette lampe à 5,90 euros. Dans cette pièce, pas de travaux, pas de mobilier acheté, juste des accessoires, des petits prix. Et on a donné un petit peu de vie, mais elle était parfaite cette pièce. C'est vrai, je me suis même mis à genoux, j'ai remercié Bouddha. Et pour finir en beauté, la salle de bain qui était un vrai tu-visite. Waouh, ça change. Ah ouais, là, ça change, là. Là, ça a complètement changé d'ambiance. C'est super, c'est vraiment génial. Ouais. Et puis la couleur bleue, là, ça ressort bien. C'est bleu canard, hein. C'est bleu ambrun. Bleu ambrun, oui. D'accord. Bleu ambrun, j'ai mixé avec du kaki. Mais avant de décorer, on a surtout réparé. Parce que quand on vend, il faut réparer que tout soit impeccable, que la salle de bain soit saine. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé un nouveau meuble vasque, puisque le vôtre était complètement cassé. Ce meuble m'a coûté 470 euros tout complet. 470 euros, c'est une somme, mais si on vend, on va l'oublier cette somme. La maison est prête pour de nouvelles visites. Il y a beaucoup de changements, donc en fait on est plutôt confiant pour la vente maintenant. Beaucoup plus qu'avant en tout cas. Bon, hélas pour vous, Emmanuel ne reviendra pas avec moi pour la vente. Ça sera seul Talopane qui viendra. Bah, on compte sur toi, Talopane, pour vendre notre maison. Talopane. Talopane. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Pour réparer et moderniser cette maison, Emmanuel aura dépensé 8 435 euros, soit 2,7% du prix de vente. Deux semaines plus tard, Stéphane est de retour à Viry-Châtillon pour les visites. En 6 mois, Kitty et Christian n'en avaient eu que 6. Ils attendent beaucoup de cette journée. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis habillé comme un peu comme un grand-père. Ah, ça se fait plus depuis très très longtemps. J'ai relooké votre maison très jeune. Et c'est vrai que cette tenue-là, c'est pas la plus moderne. Moi, je voudrais pas dire, mais c'est vrai, un petit peu. Ouais. Le principal, c'est d'avoir des visites. Et j'ai une visite. Oui. T'as l'air un peu déçu. Non? Bah oui, forcément. Parce que je pensais qu'il y en a plus que ça. C'est déjà ça. C'est un acheteur potentiel. On sait jamais. Oui. D'accord? D'accord. Et de toute façon, n'oubliez pas, je suis quand même le Talopane. Oui. Et alors donc, le Talopane décide et les autres exécutent. Surtout pour la vente. Les visiteurs du jour sont aussi un couple mixte. Il est français et elle est japonaise et ils sont venus accompagnés d'un parent. Ce sont des acheteurs exigeants. Malgré 15 maisons visitées, leur recherche n'a toujours pas abouti. Stéphane, lui, est ravi d'apprendre la traduction de grand patron en japonais. Château. C'est compliqué. Château. Bon, bah, on va garder Talopane quand même. Voilà, c'est quand même plus évocateur que Château. Ah, c'est chouette ça. Petit déjeuner comme ça, tranquille.
Ah ouais, on a quand même changé les femmes. Vous n'aimez pas trop cette couleur-là? Mais c'était tôt à la mode, tu penses? Beige brun, pas trop, non. Pas trop non plus. Pas trop. Oh, c'est sympa, ah, c'est aussi. Sympa. Les pièces sont petites quand même, je trouve. Enfin, ici, la petite, là, ouais. Ouais. Ah ouais. Ça, wow. La salle de bain, chouette. Wow. Ouais. Le bleu, c'est bien pour vous? Ouais, ouais. Puis les meubles, c'est bien. Ouais, j'aime bien. Tu verras quoi, toi? Ouais, c'est un peu trop moderne pour moi. Avec un marché immobilier actuel particulièrement tendu, Stéphane n'a sélectionné qu'une visite aujourd'hui. Une visite, une chance seulement de réaliser le rêve de Kitty, de vendre pour se rapprocher de Paris. Comment on se sent? Moyen, puisqu'on n'a qu'une seule visite. Un peu stressé. T'as l'air stressé. Ah ouais, je suis stressé là. Ben, j'attends quand même une proposition, mais à quel prix, je ne sais pas, j'attends. Et t'es prêt à faire des efforts ou pas? Je suis prêt à faire un petit effort. C'est quoi un petit effort? Minimum 300 000 euros. Net vendeur dans ta poche. Voilà, net vendeur. Pareil. Donc, une seule visite, des acheteurs potentiels. J'ai une offre écrite. À 305 000 euros net vendeur. Avec une visite. Ah, bravo. Ah, merci infiniment. Merci. Ah, en un seul coup, une seule visite, c'est incroyable. C'est ému. Merci. Ah oui, là c'est... Vous pouvez vous embrasser. Après 15 ans à Viry-Châtillon, Kitty et Christian vont pouvoir écrire une nouvelle page de leur vie, plus près de Paris. À votre nouvelle vie, à Talopane, à Bollywood et à votre amour. Merci. Je fais la double en russe. Kadi la poissy, Farouska, Kayaka, Ilona. Mais non, mais non. 5 visites, 6 visites. Mais non, mais non. Tu vois, ça doit être ma mère. Mais non, mais non. Réponds, bah, ma mère me cherche toujours en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. Ça s'appelle Christiane. Hein, mais non, mais non. On l'a vu, un chien. C'est ici que vivent Kitty et Christian. On va quand même avoir plus de 30 mètres carrés de pièces. Bonjour, ça va? Eh, hey, mais je vous connais. Ouais. Hey, je... Hein? C'est, attends, c'est le mec dans mes soins. Ouais, c'est le mec, là. Ouais, attends. Gégé? Oui. Mais tu déconnes? Mais non, je suis en train de prendre ma douche.